Ce programme est dédié à Ravel, c'est un hymne à Ravel qui nous donne à entendre la sonate pour violon et piano, le duo pour violon et violoncelle, plus exactement la sonate pour violon et violoncelle, et le trio pour violon, violoncelle et piano. En dehors du quatuor à cordes, on aura quasiment tout le corpus de la musique de chambre de Ravel. Trois œuvres qui sont extrêmement diverses, qui représentent trois époques de la vie de Ravel et qui sont des propositions à la fois audacieuses et en même temps qui s'inscrivent dans la généalogie de la musique de chambre française de l'époque. La belle saison nous permet de nous réunir à intervalles réguliers. On a le temps de s'approprier les œuvres d'une certaine manière et c'est très vivant, c'est toujours en mouvement. C'est précisément s'inscrire dans une durée, avoir le temps de vivre ensemble, pas juste la musique, mais de vivre ensemble aussi des temps en dehors de la scène, ce qui nous rapproche et probablement change aussi le rapport à la musique. Et puis répéter un programme, c'est ce que les acteurs, c'est ce que le monde du théâtre connaît. Pour nous, c'est beaucoup plus rare et c'est éminemment agréable.